l'orgue de Barbarie est un instrument de musique très particulier. Il appartient à la famille de la musique mécanique, c'est-à-dire des instruments qui jouent tout seul. L'orgue de Barbarie est encore plus particulier puisque c'est un instrument que l'on peut entendre dans les rues, sur les places publiques, dans les villages. C'est un instrument assez souvent utilisé en plein air, dans des fêtes ou bien sur une place de marché. C'est l'instrument qui accompagne des musiciens ambulants ou des chanteurs de rue. C'est un instrument assez ancien qui remonte vers le XVIIe siècle et qui a été très populaire au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'était le seul moyen d'entendre de la musique, c'était le seul média. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de phonographe, pas de pick-up, il n'y avait pas tout ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Et c'était le seul moyen qu'avaient les gens pour finalement entendre des chansons nouvelles ou même des airs d'opéra. Verdi disait lui-même, mes airs d'opéra ont été plus connus par l'orgue de Barbarie que sur des scènes lyriques, finalement. Collectionneurs ont commencé à faire restaurer ces instruments. Des chanteurs de rue, un peu à la suite de la mouvance de mai 68, ont à nouveau investi des rues piétonnes. Et il n'est pas rare finalement de rencontrer un orgue de Barbarie dans le cadre d'une troupe de théâtre de rue. Composé pour l'orgue de Barbarie, c'est tenir compte absolument de toutes les caractéristiques de l'instrument. Il faut donc écrire un arrangement musical sur le papier à musique, tout bêtement, avec les notes seulement que l'orgue peut jouer. C'est un instrument qui a une qualité extraordinaire par rapport à tous les autres. Ça, je crois qu'il est très supérieur à tous les autres instruments, par le fait que c'est le seul instrument avec lequel on maîtrise aussi bien la durée de chaque son. Je réalise maintenant le carton perforé. Les notes de la partition vont devenir des trous dans le carton. Et je vous perce là un do dièse. Je suis mesure 6, fa dièse qui est sur le premier temps. Dans ce sens-là, c'est la hauteur des notes, et dans ce sens-là, la durée des notes. Voici un do dièse sur le deuxième temps. C'était une double croche. Là, voici la partition de Au clair de la lune avec les notes qui sont écrites ici. Voilà, ici les notes. Et au-dessus, la correspondance des perforations du carton qui font jouer l'orgue. Fa, 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 sol, la, sol, fa, la, sol, sol, fa. Pourquoi j'ai fait ce travail sur Pierre et le loup? Parce que je trouve que le personnage de Pierre, qui est un personnage un peu malin, espiègle, un peu intrépide, désobéissant surtout, je crois qu'il est assez bien adapté à l'esprit de l'orgue de Barbarie, qui a tous ses traits de caractère là aussi. Alors voici donc l'intérieur d'un orgue de Barbarie. La manivelle entraîne le carton et actionne les soufflets. Quatre soufflets qui marchent en alternance les uns après les autres, qui viennent gonfler un cinquième soufflet, qui s'appelle le régulateur. Ce régulateur alimente en air le sommier où l'air attend, l'air est à disposition. Voici la tête de lecture de l'orgue, que l'on appelle aussi la flûte de Pan. Cet orgue-ci a 27 notes, 27 tuyaux, donc 27 trous de lecture. Le trou, c'est le son, le carton, c'est le silence. Ainsi, lorsque le carton passe sur la flûte de Pan, tout est bouché, rien ne joue. Mais dès qu'une perforation se présente sur un trou, de l'air peut s'échapper et ainsi aller faire jouer l'un des tuyaux de l'orgue. «
Marie, c'est un instrument, en fait, informatique. On est dans la préhistoire de l'informatique. On a envie de dire, c'est un ordinateur en bois. Thank you.